Il y en a qui viennent ici pour les prophéties, mais ils vont être déçus. Que tout ce qui respire, l'eau, Yahweh, l'éternel. Quel âge as-tu? 5 ans. Tu veux quoi? Lire un psaume. Il n'y a pas de souci. Bon. Tu sais lire, hein? Tu veux lire quel psaume? 117. À 5 ans, elle sait déjà. On peut acclamer Jésus pour le réveil chez les enfants. Waouh! Waouh! Je suis dans la joie. Alors, les autres enfants, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas évident. Vous allez être sage, très doucement. Chacun va regarder bien avant de s'asseoir pour ne pas écraser l'autre. Car vous êtes des enfants de Dieu. On va nous prêter une Bible. Comment t'appelles-tu? Hilary. Ok. Comme ça, elle va nous faire la lecture de Psaume 117. S'il vous plaît, les enfants nous apprennent comment louer Dieu. Alors, il faut être sage. Tu veux lire aussi un chapitre, pas de problème. Amen. Bon, vous n'êtes pas d'accord que les enfants adorent Dieu. Je sais que c'est pas facile, on a chaud. C'est pas évident. Mais bon, heureusement que c'est pas tous les jours qu'on est coincé comme ça. Alors, psaume 117. Oh, que les femmes ne parlent pas dans l'assemblée. Ben voilà, une petite fille comme ça va nous apprendre. S'il vous plaît, doucement. Quand on lit la parole, on l'écoute. D'accord? Les enfants, vous êtes sages? S'il vous plaît. Thank you.
Alors vous allez vous rasseoir encore les enfants. Je me rends compte que vraiment Dieu passe par eux aujourd'hui. Tu veux lire, il n'y a pas de problème. Tu veux lire quel verset, quel livre? Matthieu. Matthieu combien? Chapitre 1. Ok, on va t'aider. Josué? Ok. Alléluia. Je vais t'aider. S'il vous plaît. Dieu. Voilà. Bon, asseyez-vous les enfants. Asseyez-vous. Vous êtes sages, c'est bon? Voilà. C'est bon? Asseyez-vous. Emmanuel, ouais, tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui. Emmanuel, c'est ça? Est-ce qu'on peut aller juste les deux instruments là, tout à la chambre tout à l'heure là? Vous a déjà voilà, l'onction sur vous, alors quand c'est comme ça on est un peu excité, alors il faut la maîtrise de soi.